La famille. Voilà, en ce moment, je dors trop tard, voilà. Il fait chaud, wesh. Voilà, il fait chaud. Oula, regardez tout ce qui m'attend, les gars. Tout ça, je dois les monter, ma gueule. Oula. C'est abusé. Tout le monde pue de la gueule quand on se réveille. Arrête de me faire le... Voilà. Toi, ta bouche, ça sent le doigt ou c'est comment, mon frère? C'est fini les casquettes, les gars. Là, il commence à se boucler. J'ai mis un masque. À partir d'aujourd'hui, je commence à faire des soins. Et je prends soin de mes cheveux. Casquette, c'est fini. Bonnet, c'est fini. Voilà, tu qui mets de la calvitie, c'est fini. Le char au gang. Ils ont libéré la moitié des trois, y'a mon char au peigne. T'as toujours pas trouvé l'amour de ta vie ou quoi? Hein? Mais c'est normal, tu demandes trop, frère. Bah si, voilà. Frère, à chaque fois on te trouve quelqu'un, t'es là, tu fais la gadji. Mais trouvez-moi un vrai homme. Mais bahao, bahao. Hein? Eh, ça va, 2024, il n'y a plus d'amis. Dites-lui. Et quoi, si je l'appelle, il vient là. Je voulais monter, il m'a. Ah, tu voulais monter le voir? Ah ouais, il fait la star en fait, hein, Bachao. Ok, je vais parler avec. T'inquiète. On est d'accord que les petits points, c'est derrière le pied. L'MZ, c'est non, pas c'est devant. Moi, c'est sympa, tu le vois là, il y a l'endroit où tu mets ton talon. Oui. Bizarre, MZ. Je trouve comment, JP? C'est un bel homme. Comment ça, c'est pas ton style? Mais elle est mignon. Fais-lui un bisou de loin. Fais-lui un bisou de loin. En gros, il n'y a que nous qu'on peut écouter. Ouais. C'est pas facile. On la refait la cam, celle-là. En direct. Vas-y. Vite, je suis mort de rire. On pouvait pas entendre, je suis dommage. Il a mal, voilà, je viens de te dire, il a mal. C'est dommage, je pouvais pas entendre. Ah, il a eu mal. Là, il a mal. Ah. Tu peux le croiser du lundi jusqu'au lundi. Il a jeté tous ses calendis pour du fendi. Il a coffré l'argent de la semaine. Si t'es beau, ouais, il va te planter dans l'abdomen. Si t'es chaud, mec, tu peux le. Fade up, je fade up now. T'as dit quoi? J'ai dit tu t'es bien amusé à Malini. Moi? Jamais de la vie, ça fait. Hey! Oh! T'as la chance pour mes vêtements. Bon ben voilà, moi et Pachiko, on s'arrête à Avignon. On commande un hamburger. Voilà, on commande à manger, on mange et on reprend la route. Oh, j'ai envie de faire ça, Pachiko. C'est quoi ça? C'est un bus, genre comme à Londres, t'as vu là où c'est ouvert en haut? Je vais m'envoler. Je monte plein, y a la ceinture. Mais c'est pas trop beau. Y a pas la ceinture. Ah, j'aime trop. Y a pas la ceinture. Regardez,
quoi, du coup il est content. Il a trouvé son bonheur à Primark. Non mais regardez les filles, jusqu'où je dois venir pour aller à Victoria's Secret jusqu'à Lyon. Ça aussi, c'est Tarlé Fou, ça j'aime bien. Ça, c'est Tarlé Fou aussi. Ça aussi, c'est Tarlé Fou. Toi, t'es bizarre ce matin. Et j'en suis sûr, la team, quand il est comme ça, c'est que t'as fait pipi au lit. Attention, t'as fait pipi au lit. Il a fait pipi. Oh! Il ne faut pas cracher sur papa, c'est pas bien. Et c'est une bêtise, ça. Dis pardon à papa. Pardon, papa. Fais-moi un gros bisou. Qui c'est qui t'a appris ça? C'est Yes. C'est Yes. Faut pas le faire ça, c'est pas beau. Toi, bébé Slimy, t'es gentil. T'es... Oui. Allez, un bisou, ça y est, j'oublie. Fort, c'est pas un bisou, ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, dis-leur bonjour, la team. Bonjour, la team. Vous allez bien? Bien. Pour commencer une bonne journée, il me faut un gros déjeuner. Parce que je vous jure, mes journées, elles sont chargées, il me faut beaucoup d'énergie. Je perds ce véhicule pour l'amener à un point B. Et moi, c'est ça ma vie. Des fois, on a besoin de moi, on m'appelle pour faire le chauffeur. Mais là, je conduis pas n'importe quel véhicule, l'équipe. Hein. Toi, panoramique, BMW et Nana sur le côté. Ce BM X3, il est tout simplement magnifique. Hein, Nana? Il est magnifique. On est bien dedans. Hein. Il est trop bien. Et aussi, ce qui est bien, c'est le toit panoramique. Ça, j'adore. Parce que... Quand tu roules la nuit, tu regardes les étoiles, ça te permet un peu de t'évader. Le matin, j'ai parlé à maman, Nana. Ouais. Elle m'a dit que c'est toi hier qui apprenais à Baby Slimy à cracher. Non, c'est pas moi. Dis-moi la vérité, sinon je vais me fâcher. Tu préfères quoi? Mais j'étais maman, rigoler. Oui. Donc mon fils, ça ne le fait plus. Parce qu'après, la prochaine fois, s'il parle à une personne ou quoi que ce soit, ou que je l'amène quelque part, il va leur cracher dessus. C'est un bébé, lui, il sait pas. Okay. T'as compris? Apprends-lui des bonnes choses pour cracher, c'est inutile en plus. Je t'excuse. Eh, toi, tu veux trop faire comme moi, tu veux trop vivre ma vie. Mais t'es encore. Jaloux. Non, je suis pas jaloux, t'es encore jeune, mon fils. Mais t'es jaloux. Toi, tu vas à Leclerc, Auchan acheter tes œufs. Mais moi, j'ai des œufs bio du poulailler. Il existe une petite île. Mais franchement, ton plat, il est éclaté. Mais au moins, moi, j'ai des œufs bio et t'es jaloux. Ah, et bien les deux, le ventre et l'autre, je sais pas comment ils s'appellent là. Ouais. Ils ont foutu le feu là. Ils ont foutu le feu là. Tout en fait un goût. Donc dès que je suis arrivé, vous êtes venu me le dire direct pour m'avertir. Oui, là, je viens de le dire. Je vais m'occuper de cette enquête. Je vais vous le ramener tous les deux. Ils vont le nettoyer et ils vont s'excuser. Mais c'est pas ça, nettoyer, je m'en fiche. Non, mais ça aurait pu être plus grave. Une voiture ou quoi que ce soit. Mais il faut pas qu'ils recommencent voilà. Des choses pareilles. Eh oui, parce que ça part de... Ils ont pris du foin des moutons et ils l'ont brûlé. Eh bien, oui, t'as vu. Eh ouais, on voit qu'il y a du foin, ouais. Oui. On le voit.
On a les preuves. Je vais faire mon enquête comme Navarro. Vous vous rappelez? Ne inquiétez pas, entre voisins, on discute calmement, la situation va être réglée, ils vont venir, ils vont nettoyer. On nettoyer, je m'en fiche un coup de balai. Ah non, 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 ils vont le nettoyer. Ils vont le nettoyer, ils auront une punition aussi. Donc c'est Angie et mon fils. Non, mais moi je veux qu'ils ne recommencent pas ailleurs que là. Hein. Parce qu'on ne sait jamais avec les gosses, hein. Ce qui leur passe par la tête. Exactement, merci à vous. Il y a 5 jours, il s'est passé quelque chose. Vous avez mis le feu chez la voisine. Et il y en a un d'entre vous, je sais déjà c'est qui, parce que la voisine, elle me l'a décrit, il n'y en a pas 1000 comme lui. C'est toi, Angie. Vrai ou faux? Bon, maintenant, Angie, ça va être simple. Tu vas me dire c'est qui, le deuxième qui est avec toi. J'étais seule. Angie, dis-moi c'est qui. J'étais seule, je te jure. Tu étais seule? Il n'y a pas de problème. Donc tu ne veux pas me dire c'est qui? J'étais seule. Tu ne veux pas me dire c'est qui? Seule. Je vais aller voir ton père. Non, 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 c'est Rida. Je te jure, c'est Rida, elle est avec moi. S'il te plaît, va pas voir mon père, s'il te plaît. Mon père va me tuer. J'ai pas envie de me faire défoncer. C'est pas ce que je crois. Comment vous avez mis le feu? Rida, il y avait un feu dans la voiture et il y avait du journal et on l'a brûlé. Et après, Rida, il est parti chercher du foin. Et il a dit, tu vois, on l'a fait dans la voiture. Et on l'a fait, et la voisine, elle est sortie, elle nous a dit, éteignez ça tout de suite, on l'a éteint. Là, il y a Tunsi, il est dans la chambre avec mon fils. Et je sais pas ce qu'ils font parce que en ce moment. C'est déchiré, tu vois, c'est slim, c'est pas bon, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans ta garde-robe, c'est cette paire. Cette paire, vous faites quoi là, les gars? Karim, tu fais quoi? Pourquoi il a ouvert l'armoire? En fait, il avait besoin de conseils pour sa garde-robe. Et il m'a appelé, quoi, du coup, je suis passé. Bah, Karim, pourquoi tu me le demandes pas à moi? Bah, parce que lui, il a un meilleur style et en plus, mon. Un quoi? Un meilleur style. En fait, j'ai pas envie d'être intrusif, tu vois, dans votre relation. Je pense que vu que je suis un peu plus jeune et que je m'habille un peu plus mieux, bah il a plus besoin de des conseils, tu vois, qui vont avec son âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je suis vieux, j'ai pas de style, je comprends pas. Et pourquoi tu m'en parles pas à moi? Bah parce que c'est mon pote. Vas-y. J'ai oublié un truc de leur dire. Eh par contre, Tunsi, t'as vu il est parti tard le soir en ligne. Ouais. Essaye d'éviter s'il te plaît. T'as compris toi aussi? Ouais. Mais en fait le problème c'est que, tu vois, nous on joue en équipe. Et Karim, c'est un des membres les plus doués de l'équipe. C'est-à-dire que quand on le perd le soir, bah, on se retrouve un peu dans la. D'accord, mise. D'accord. C'est l'un des quoi? Un des membres les plus importants de l'équipe. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il soit l'un des membres les plus importants à sa classe. D'accord? Parce que le butin, c'est pas ce qui m'a ramené. Allez. Vas-y, je vous laisse parce que j'ai l'impression que je vous dérange. Nous sommes en plein live. Il y a Nasdas, il y a Asya, JP, Naruto, Safin. Et ton oncle. Et mon oncle. Et Maggie. Bonsoir tout le monde, ce soir nous sommes en direct à la radio Maggie Crevette. Maggie Crevette. Alors,
Donc ce soir, nous allons aborder donc des sujets. Des sujets franchement qui fâchent, comme ma cousine, comme vient de le dire Farah. Je comprends bien Rachid. Mais qu'est-ce qui a fait que cette situation s'est dégradée du jour au lendemain et tu te retrouves d'un coup sur le canapé à dormir pendant des semaines pendant que ta femme vit sa vie tranquillement dans son lit? Il y a eu quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, Rachid. Non, mais attends, je vais couper court. Je vais couper court. Donne-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler en direct. Allez, je vais prendre de quoi noter. On coupe, s'il vous plaît, je prends son numéro. Franchement, moi qui est explosif, qui aime m'amuser, franchement, j'ai vécu l'un des meilleurs moments de ma vie et je me rappellerai toujours de Nice. Merci à vous, l'équipe. Les gars, vous avez sûrement vu Danse avec la Chienté hier soir. Ça, c'est avant que ça se passe, mais on va vous montrer comment on s'entraîne. Ça sera posté le lendemain, du coup. Donc là, je sais pas si on va changer entre temps, mais on est sur du Wupakanama style. On galère. Vas-y, finis un petit Wupakanama style, vite fait, pour vous montrer ce que ça va donner. On est un peu dans la merde actuellement parce qu'on n'y arrive pas. Debout. Gâté. 13h30, gâté. Debout. Wesh. Debout, frère. C'est quoi ça? Arrête, hein. Calme-toi, c'est qu'une branche. Ah, t'envoies des gens carrément maintenant à tout. Ah bah oui, hein, je suis amusé, moi. T'es pas en train de prendre la grosse tête, là? Mais j'ai pris la grosse tête, déjà. Ça fait longtemps. Il assume ouvertement, ça sent pas les couilles. Ouais, vas-y, à tout. À tout, vu que t'es une superstar. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un TikTok ensemble, s'il te plaît? 10€. Comment ça, 10 euros, c'est un fou, lui? Comment 10 euros? Frère, c'est pas un fou, tu dois le B9. Et d'ailleurs, moi, 80 euros le fit pour ceux qui veulent fit avec moi. Ah là, ça se passe des pubs dans ma story là. Ouais, frère, 80 euros le fit. Alors? Ça te pose un problème? Est-ce que c'est toi qui vas faire le fit? Un être humain qui te paye 80 euros le fit, ouais. Je te donne mon compte Snap. Pour là? Non. Voilà, menteur. On sait jamais. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Mais vous deux, vous êtes des fous, je tiens à dire. Là-bas, il y a Atou en train de faire des TikTok avec une fille. J'espère juste qui lui a pas fait payer 10 euros. Ce serait le plus grand vol de l'histoire. Wesh. Gâté. Il est tout mignon. Non, arrête, la vue, sinon je pense pas. Non, t'inquiète. Allez, vas-y. Non, t'inquiète. Non, pourquoi tu veux partir? Reste là. Reste là. Je suis arrivée à Marseille, comme vous pouvez le constater. J'ai trop froid. Je viens d'arriver, je suis rentrée. Je pars faire des trucs là ce matin. Je suis rentrée. Je suis dégoûtée de rentrer à Marseille. Je vous mens pas. De toute façon, je suis venue que pour le mariage. Je finis le mariage. Je me rebarre. Au moins, c'est clair. Je me rebarre là-bas et je reviens plus ici. D'accord. Et concernant, s'il vous plaît, mes amours, qui habite à Marseille, à la Castellane, s'il vous plaît, qui est un chargeur, parce que un noir, voilà, il va me le payer. Non. S'il vous plaît. Je peux pas. On est toujours sur la route, je viens de sortir de la voiture. Comment il fait froid, je sais même pas où on est. Regardez mes yeux, je suis éclaté. C'est une dinguerie.
Tu peux le croiser du lundi jusqu'au lundi. Il a jeté tous ses calendis pour du Fendi. Il a coffré l'argent de la semaine. Chité beau, ouais, il va te planter dans la baume. Ils m'ont dit des éclats dorés, ils m'ont mis 2 grammes. Voilà. Vous savez qu'on pouvait faire ça? Voilà, c'est énervé. Dans le bon. Il y a le pêche, il s'endort, hein? C'est bon, c'est ouvert, maman, c'est ouvert. C'est ouvert. Vas-y, wesh. C'est ouvert. C'est bon. Le SVR, elle a dormi. Dans le bon. Dans la play. C'est plus la SVR. Police nationale. Je suis pas dans le CX. Je veux jouer à IRA. C'est avec nous. Choco Mosaïra. On gère le volant, on fume pas le collant, on est les petits collants. Ah, c'est une dinguerie. Ah, caméra, quoi? Ah, j'aime bien ça. Alors, place, on l'a en place. On l'a en place. C'est un anniversaire, hein, tu vois. C'est un anniversaire pas mire. Ah, oh, maman. Ah, ouais, c'est vrai, tu m'avais dit, mais c'était Zamala. Ouais, j'étais sérieux, tu mets quoi comme son? D'arriver dans votre bled là, mais qu'est-ce qui fait froid ici, c'est dingue. J'ai cru que Milouz c'était le sud de base. Je caille. Ah, y'a Milouz, allô Lisa. Franchement, dans le bon, hein. Et ceux qui veulent venir me voir là, je suis là. Oh, je fais une vidéo avec lui parce qu'il a plus de batterie. Bah, si tu vois ça en story, tu l'inscris. Maman, je suis au stand B. Bon, là, c'est vraiment une coquette turque. Incroyable. On dirait que je suis en Turquie. Voilà, les mecs. Ah, vous ratez. Regardez comment c'est fait. Maman. Bienvenue. Excellent. Regardez comment ça accueille. C'est incroyable. Et il y a une sauce spéciale, je crois. Je vais goûter, maman. Hey, maman, il a becté en fait. Wallah, maman, il a becté dans le bon. Dans le bon. Tu manges en dormant, c'est ça? Meilleure sensation? Ah ouais, ça lui prend la poubelle, tout. Totalement dans le bon. Totalement.
Bon, tiens, si tu veux continuer à parler avec moi, je vais te donner mon deuxième compte. Allez, je vais pas te mentir, je suis en couple. Hein. Après, je me suis déjà fait. Ah, ça veut dire que tu connais, moi je m'amuse et tout. C'est tout. Ouais, ça a fini qu'après t'as allé, tu l'as rincé un coup, tu lui as mis 2-3 tapes, il a pleuré, on était contente. On a appelé Nasser en FaceTime. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était vraiment la scène de jeter, je pouvais pas, genre, je te dis, vas-y, non, tu dis, oh, ça va, allez, pousse-toi, mon gars. Voilà, j'ai préparé à manger à 4B et à NG, j'ai fait une salade. Alors, il y a de l'avocat, de la tomate, du maïs, de la mozzarella et de l'oignon, avec un petit morceau de pain à la cuillère. Ensuite, j'ai fait un toast au kiri, un toast au fromage à la de Provence, une petite tranche de dinde, voilà, avec des petits haricots. Bon appétit! On vient de finir de faire le ménage, je viens de finir de faire toute la vaisselle de chez NG 4B. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Genre vraiment, quand je fais un effort, deux efforts ou trois efforts, genre je suis KO. Bref, là je vais me remotiver. D'ailleurs, là-dessus, la vidéo d'avant, je l'ai supprimée parce que genre j'aimais pas trop, on voyait trop, genre j'aimais pas. Mais franchement, il y a eu que des messages bienveillants et tout, suite à ce que je disais, tout ça m'a trop touchée. Je vous aime trop. Je vais m'amuser. Ma Asie, elle comprend rien. Elle me fait trop rire. Elle est où, je la vois même. Elle est partie là-bas. Je la cherche. La chatte. Et franchement, voilà, JP, c'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié. Tu peux parler plus fort, j'entends pas. Scalma, elle a dit wesh, 150. Il parlait de qui? Oui, 150. Je sais pas de qui il parlait. Derrière, ah, 150. Comment ça vient là? Ah, influenceuse. Aujourd'hui, elle est, tu vois. Ouais. C'est tout en son honneur, tu vois. Donc, la plupart, hormis le concombre de la team Nasdas. Ouais.